Καλημέρα, καλώς ήρθες στο Signs and Wonders. Bolo à Signs and Wonders. Vanekan, varavekeron, Signs and Wonders. Buongiorno, benvenuto à Signs and Wonders. Hola, bienvenidos a la iglesia Signs and Wonders. Bel bonjour à Signs and Wonders. Malhaban fil Signs and Wonders. Beauté, boy malamo na Signs and Wonders. Hola et bienvenidos à Signs and Wonders. Azul Felowel is Sven Signs and Wonders. Goedemorgen, welcome by Signs and Wonders. Bonjour, bienvenue à Signs and Wonders. Welcome. Alors, t'en as pensé quoi des samedis de puissance? C'était juste extraordinaire, Dieu s'est manifesté de manière surnaturelle. Ah mais oui, mais attends, il y a des photos qui nous montrent comment il s'est manifesté. Regarde par exemple celle-ci. Elle est superbe, on peut voir que le peuple de Dieu est vraiment venu avec une attente de voir Dieu. Et puis, ah c'est mais oui, magnifique. On voit vraiment comment les gens sont touchés, c'est extraordinaire. Pourtant, il y en a plein, hein. Ils ont tellement manqué, c'est dommage. C'est vrai. Franchement. C'est vrai, c'est vrai. Là, on voit vraiment comment elle est touchée par Dieu. C'est incroyable. Mais il y a eu d'autres événements. C'est vrai. On a eu aussi le bootcamp. La retraite des femmes, c'était formidable. On a pu voir certaines qui avaient besoin de vraiment se faire entendre. C'était très beau. C'était un très beau moment. Et on a pu faire de nouvelles rencontres. Je sais pas si tu te souviens, mais surtout quand la mère à merveille était là, c'était extraordinaire. Vraiment, Dieu a utilisé cette femme, cette servante, c'était incroyable. Effectivement, c'est vrai que durant ces temps de bootcamp, on a vraiment passé des moments entre femmes, des moments dans la présence de Dieu. On a énormément reçu, on a passé des moments de convivialité. Et on sait que même dans ce type de moment-là, bah, Dieu est au milieu de nous. On peut tout simplement juste lui rendre toute la gloire parce que c'est des temps merveilleux. Exactement. Mais surtout, c'était les moments d'atelier. Les femmes ont pu s'exprimer. Et c'était vraiment formidable pour toutes ces femmes-là, surtout. Moi, j'ai beaucoup aimé. Même si j'ai passé une soirée pyjama plutôt fun. Mais ouais, oh, mais il y a eu quoi d'autre? Il y a eu aussi les nuits de puissance, qui est aussi appelé l'éveillé. Donc c'est l'éveillé de prière. Et franchement, c'était chaque mois. Évidemment, c'était les premiers vendredis du mois. Et de manière générale, en fait, même si on vient, on se dit, c'est vrai que le mois dernier, on a eu des temps bah, de veillée, etc. En fait, faut pas se dire que ça sera toujours la même chose. Ouais. C'est vrai. Chaque veillée est différente, chaque veillée, en fait, Dieu nous attend de manière différente. Chaque veillée, en fait, est juste exceptionnelle et juste extraordinaire. Et en fait, je pense, hein, je parle au nom de nous tous, mais je parle tout en mon nom. J'ai été énormément touchée par Dieu, j'ai énormément reçu également. Et c'est des moments que je ne pourrai jamais oublier parce que c'est des moments qui ont clairement transformé ma vie. Exactement. Et moi, je me rappelle surtout, tu sais, la rencontre qu'on a fait de notre nouvelle petite sœur Guadeli. Oui. C'était une veillée. Et franchement, Dieu l'a bénie beaucoup, elle et sa famille. C'est vraiment formidable. Il y a des gens, ils viennent juste comme ça. Mais après, bah, ça devient la famille, quoi. C'est ça. Souvent, on se dit, bah, je viens à l'église et puis voilà, je reverrai jamais ces personnes-là. Mais ça devient une famille au fur et à mesure. C'est tout comme notre rencontre à nous deux. C'est extraordinaire ce que Dieu peut faire. C'est vrai que Signs and Wonders, c'est une grande famille, une famille remplie d'amour, une famille où on peut juste être vrai. On est sincère, on s'ouvre. Et puis voilà quoi, dès qu'on est à Signs and Wonders, on se sent bien. Je pense. Oui. En tout cas, moi, c'est mon avis. Mais oui, mais surtout, celle de l'année, tu t'es mariée. Oui, c'est vrai. J'arrive toujours pas à y croire. Elle est mariée avec Paul André. Oh là là. Franchement, c'était des combats, mais... C'était formidable. Ouais. C'était un très bon moment. C'est vrai que... J'en ai encore l'émotion. C'est vrai que je me suis mariée cette année. Je ne pensais pas que j'allais me marier cette année, mais Dieu a fait parce que, en tout temps, toutes circonstances, Dieu reste souverain. Et surtout, moi, je me suis mariée, mais aussi notre sœur Light qui s'est mariée. Oui. Elle s'est mariée en août. On a pu organiser son mariage. C'est un très beau mariage. C'était un très, et très vraiment, beau mariage. Et vraiment, je m'en souviens aussi tout le temps. Ah, mais c'était la première fois que j'étais speaker. Je peux vous dire que je me suis amusée. Une ambiance incroyable. Mais c'était trop bien. Super. Mais surtout, super les battles de danse. Ça, franchement, c'était une battle de danse. Voilà. Mais c'était vraiment formidable. Et franchement, j'ai hâte pour les autres mariages qu'on va organiser. 2023, les mariages, pleuvoir. On attend que ça.
Il y en a plein qui vont se marier. On attend seulement de voir l'heureuse élue. Et si on fait, on regarde les photos à nouveau, elle était magnifique. Super light. Belle. Ouais. T'as vu Gabriel. Gabriel, il a mis sa femme à l'honneur. Il était là en mode, je suis un marié light, ok. J'ai payé la dot, ok. Non, c'était trop bien. Franchement, même toi et Paul-André, sur cette photo, elle est juste magnifique. C'est tellement beau. On s'est vu grandir. Maintenant, on est mariés. Enfin, pas moi encore. Hein. Prochainement, elle est mariée. Prochainement, Dieu seul sait. Mais ouais, on a eu aussi le premier événement de la jeunesse. Ouais. C'était bien. Franchement, c'était bien. Et j'ai très hâte même des autres événements qui vont arriver. Franchement, je vous invite, la jeunesse. On est cette génération vraiment qui doit toucher un peu tout le monde par nos témoignages. Et à chacun de nous, on a justement cette touche à apporter dans ce monde. Mais vraiment. Mais ouais. Et après, il y a eu les baptêmes. Alors, les baptêmes, c'est toute une histoire. Dans le sens où on devait le faire depuis très longtemps. Mais on l'a fait en septembre, dans une période où, à la base, les baptêmes ne sont pas recommandés parce qu'ils commencent à faire froid en septembre. Ouais, c'est vrai. Je peux dire sur ce jour de baptême, c'était un jour merveilleux parce que je me suis fait baptiser. C'était un jour beau dans le sens où le ciel était ouvert. Vraiment, le ciel était ouvert, il faisait c'est froid. Vrai. L'eau était froide, le ciel était ouvert et Dieu s'est vraiment manifesté. On a vu sa gloire et vraiment tout ce que moi je peux dire sur ce temps de baptême, cette session de baptême, c'est que chacun d'entre nous, on a reçu ce que Dieu avait prévu pour nous. Donc je lui rends gloire. Mais ouais, c'est vrai. Non, c'était tellement beau et tellement fort surtout, parce qu'il y en a plein qui ne pensaient jamais passer par les eaux du baptême et qui sont passés par là et c'était très 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 beau. Et franchement, on peut souligner même par l'équipe qui a organisé ça, chapeau, parce que plonger quelqu'un dans l'eau et elle est glacée, c'est chaud. C'est vraiment chaud. C'est vrai. Et même au-delà des baptêmes, il y a eu aussi l'EPE. Ouais. Alors l'EPE, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'école pastorale de l'esprit. C'est une formation qui dure pendant 12 mois complets où on est enseigné sur tout ce qui concerne le prophétisme, le prophétique. Et donc en fait, pendant ces 12 mois-là, tous ceux qui assistent à ces cours reçoivent énormément de choses venant de Dieu. Moi, je peux aussi en témoigner parce que pendant 12 mois, je me suis assise, pendant 12 mois, j'ai été enseignée. Et j'ai vraiment vu la main de Dieu, j'ai vraiment vu l'action de Dieu et j'ai grandi en fait tout simplement. Ce que je ne savais pas, j'ai pu apprendre, ce que je ne connaissais pas, j'ai pu le mettre en pratique au travers de l'EPE. Et là au jour d'aujourd'hui, certaines situations que je peux vivre dans ma vie, actuellement je suis capable de le surmonter parce que je suis passée par là en fait. Je suis passée par cette formation, ce processus qui fait que là je tends en fait vers cette maturité. Clairement. Elle fait partie de la première session et moi de la deuxième. Et c'était tout aussi fort. C'était vraiment tout aussi fort. Mais surtout, le cadeau qu'on nous fait à la fin, ce n'est pas simplement de l'onction ou quoi. Ce livre que tout le monde connaît qui est la Bible. Parce que oui, c'est un livre avant tout. Mais c'est à l'aide de l'esprit que vraiment on peut comprendre les réalités qui sont à l'intérieur, les secrets qui sont à l'intérieur. Et justement, l'EPE va nous apporter encore une approche nouvelle. Et je vous laisse vraiment le découvrir parce que c'est formidable. Vous savez, c'est que 30 euros par mois. Il y a d'autres qui peuvent vous payer beaucoup plus cher, ou même des formations. Par exemple, moi qui suis d'un milieu esthétique, la formation une demi-journée, c'est 2000 euros. Hein. Là, c'est 30 euros par mois. Et les gars, franchement, ce sacrifice vaut beaucoup plus. Vraiment, il vaut beaucoup plus que 30 euros. Mais vraiment, allez-y, foncez à la prochaine session. Foncez. Je vous attends, on vous attend et on espère que ce récap en tout cas, il vous a énormément plu. Nous, ça nous a rappelé des énormes émotions, ça nous a rappelé aussi beaucoup de choses et on vous souhaite en tout cas bon courage dans la suite des aventures de Signs and Wonders. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Bye guys. Thanks to 243 on the beat. Thank you.